porte. Celui-là, t'es pas mal. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce petit live. J'avais envie de faire un petit live que je vais appeler la pause peinture. Voilà. Pas forcément j'en ferai tous les jours, mais... Là, j'avais envie de faire un petit peu de peinture, d'avancer et de terminer mes beaux temps. Donc, on va faire, en fait, pour chacun, je vais leur faire la marque. Avancer. Hein. Quels sont vos ordres? Alors... Hello there! Je commence comme ça, gentiment. Tac. Donc là, j'y vais avec un pinceau assez fin. Hein, concrètement, hein, c'est un pinceau qui est quand même assez fin. Le but, c'est pas d'y aller comme un bœuf, c'est de faire des belles marques. Le but c'est juste de faire des belles marques, de pas trop se prendre la tête, de faire les choses propres, hein, à chaque fois une belle marque, petit pinceau, et on va l'éclaircir gentiment, pas énormément. À un moment je vais avoir ma copine qui va m'appeler, donc concrètement je pourrais pas rester. Enfin je ferai une petite pause et je reprends à 14h. Et voilà, c'est pour terminer en fait ces beaux temps, que je puisse poster sur Insta, parce que bah mine de rien. Pas, j'ai dû trouver un filon parce que sur les 3 dernières semaines, je crois que j'ai touché plus de 6000 comptes sur Insta, donc je sais pas pourquoi, mais voilà, le but va être juste de faire ces trucs là, mettre les décalcos, et si j'ai encore du temps, bah commencer à faire quelques socles. Et voilà. Et après on pourra enfin se faire plaisir avec une petite croquette qui sera sûrement le champion Enhart qui va être fait version Guts. Et samedi soir, il va y avoir le premier Tactica Tales of the Rift avec notre cher Céline ici présent, parce qu'il va nous présenter. On va essayer de faire un truc propre, hein, mais il va nous présenter les RS, les Rouges Sang. Donc dans l'idée, ça va être de permettre en fait aux nouveaux joueurs de ne pas être trop perdus pour ceux qui voudraient se lancer dans Tales of the Rift. Donc on va essayer de vous préparer une émission qui va être bichonnée.
Et ce soir, il y aura peut-être un stream en fonction de l'heure où je reviens chez moi, de Tales of the Rift, justement. Petit stream plateau de ce soir, possible. Il faudrait que je fasse un petit test pour voir, parce que le tournoi commence fin de semaine. Donc voilà, petit stream Tales of the Rift possible, enfin même ça dépend de l'heure où j'arrive, parce que je vais à l'anniversaire de ma nièce ce soir, donc... Coucou Edmo, comment tu vas copain? Bah tranquillement, voilà, je vais réfléchir à un nom de stream, j'appelais ça la pause peinture, mais en vrai, nom qui n'est pas officiel, hein, je sais pas encore. J'avais envie de peindre, donc de finir ce qui traîne un peu trop longtemps là, depuis un peu trop longtemps sur mon établi, et après il faudra que je les range. J'avais envie de peindre, donc et vu que j'ai une petite heure avant de reprendre le taf. Hop. Et donc là, on va juste éclaircir légèrement avec un. En fait, j'ai quasiment cassé l'éclaircissement. Je vais prendre du Adebaran Red pour faire rapidement un éclaircissement sur la marque. Et derrière, on va. Derrière, je vais poser les décalcos. Comme j'ai dit, si j'ai le temps. Coucou tonton! Comme j'ai dit, si j'ai le temps. Et Edmo, il est où ton abonnement? Et comme j'ai dit, si j'ai le temps. Je vais essayer de faire tous les socles. Scooters! Oui. Je les ai. En fait, j'ai déjà préparé les socles pour un tonton. Et on va essayer de tous les mêler, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui auront peut-être plus de pierre et un peu moins d'herbe, d'autres qui auront peut-être plus d'herbe et un peu moins de pierre, un peu moins de gravillon, peut-être une pierre pas forcément sur tous. En fait, donner une vie en fait à ces socles avec un peu de pigment. Voilà, comme j'ai dit, hein, le but c'est de juste avoir un beau rendu à la fin. Et non pas là de se casser le fiac. Ah oui, il faut aussi que je pose les décalcos, hein, donc le 5 un peu partout. Sur chaque figurine, l'épaulette de droite est réservée en fait au décalco d'unité, comme je l'ai pensé le truc, ce sera décalco d'unité.
Bah, elle devrait être finie dans les prochains jours. Et après, je pourrais enfin passer un truc un peu plus classe où je peux y passer peut-être 10 heures dessus. Elle n'est plus que deux à éclaircir, gentiment. Et après, les décalcos. Alléluia. Je vais sortir les décalcos maintenant. Pas besoin de les sortir, ils sont là. Donc voilà, là c'est les 5 qu'il faut poser. Moi j'ai peut-être rangé l'autre planche, mais pas. J'ai peut-être rangé la planche qui était pas utilisée, qui était déjà utilisée. Donc là en fait on va poser des 5 sur toutes les épaulettes. Il y en a 9 à poser. Hein. Quatre, six, huit, neuf. C'est bon. Tac. On va commencer avec le premier. Donc là, je le mouille bien parce que le but c'est de le faire sortir de son axe, de venir le récupérer sur le pinceau. De venir gentiment y poser de façon centrée. On enlève les bulles d'air. Et on lui met une goutte de médium pour que ça sèche et que ça le lustre un peu en fait. Et demain. On fait pareil avec celui d'après. La goutte d'eau, tac. On n'hésite pas à charger en flotte. Hein. Pourquoi faut pas hésiter? Parce qu'en fait, ça va permettre de le sortir plus facilement. On n'hésite pas, on charge en flotte hein, et on le pousse d'un côté ou de l'autre, mais on essaie de le pousser, de le faire sortir de son. De le mouiller assez, en fait, voilà, pour qu'il sorte, tout simplement. Hein. On le mouille légèrement. Tac. Hop, on le récupère. On fait un petit tour sur le pinceau pour que
peu chiant. Le pousser un peu. Voilà, pour qu'il soit bien centré. Tac. Ok. Ensuite, la petite goutte de médium, comme d'hab. Faire attention à pas trop en mettre. En fait, en séchant, ça va le coller, le médium. Tac. Hop. Et on attaque le troisième. Ça va vite, hein, quand on a le coup de main, ça va assez vite, hein. Il y a peut-être une méthode qui est plus rapide, mais moi c'est la méthode que j'affectionne, enfin, c'est la méthode avec laquelle j'arrive à mieux le faire, donc il y a peut-être une méthode qui est plus rapide, mais... Ah, je suis à la moitié de la planche là. Alors, fallait bien qu'il y en ait un qui me casse les couilles à la moitié de la planche, hein, sinon c'était pas drôle. Bah après tu optimises, hein, tu apprends à optimiser, hein, de toute façon, Terce, hein, hop là. Voilà. Et juste savoir optimiser comment faire le taf et pour digérer, bah c'est très bien, digère. Très bien, Terce, digère. Ça te fait du bien. Si ça fait du bien à ton transit, je ne suis que plus heureux.
celui-là à placer est un peu plus touchy, j'ai l'impression. Avec le flingue, c'est un peu plus relou. Voilà. Bien centré, tac. Ouais. Vous connaissez la chanson, hein? C'est la chanson, hein? Alors, je les ai mis comme ça, donc on va continuer de les poser comme ça. T'as vu? Avec mes grosses mains pleines de doigts. Alors lui aura un 5 qui se verra très très peu, hein. Qui est sur une partie qui n'est pas éclaircie, donc il aura un 5 qui se verra très très peu. Et enfin, l'idéalier. C'est l'heure d'idéalier. Après petite club, je vais avoir ma copine qui va m'appeler, donc après petite pause. Et après, c'est socle. C'est le montage de socle, c'est fait. On va faire tous les socles. Il y a 9 socles à faire, à passer selon différentes configurations. Voilà. Tac, mon petite clope. En tout cas, bah, merci d'être là pendant cette pause peinture. Stream qui n'était même pas prévu. Hein, parce que vraiment, j'avais l'envie de taper un stream entre midi et deux. Maintenant, j'atteins. Ouais, je suis dans le dernier. Le dernier temps de mes figues, hein, c'est vraiment les dernières choses. Tu as mangé? Oui, oui, j'ai bouffé, bien sûr. Ah.
Mais voilà, la petite semaine de stream avec quand même un événement qui va être important, c'est samedi soir, qu'il faut pas trop. Enfin, c'est samedi soir où l'événement va être le plus important pour moi. Puisque samedi soir. Bon, comme j'ai dit, samedi soir, c'est le premier Tactica sur Tales of the Rift. Donc, ce qu'on va faire pour les stocks, c'est simple, hein. Je vais retirer les pâtes à fixe, préparer les deux petites boîtes, parce qu'il y a deux boîtes, en fait, les stocks vont passer dans une première boîte, puis dans une deuxième. Voire même pour les peut-être les 2-3 premiers qui vont être en fait la fin de file, ils vont être en full herbe. Et au fur et à mesure, en fait, il va y avoir un peu plus de terre. Le but, c'est de raconter une histoire, hein. Donc on va dire que les trois derniers vont être celui-là, celui avec la radio et celui-là. Donc ça c'est les trois avec des. Ça c'est les trois avec du full herbe. Ensuite, donc lui pour moi il fait partie du milieu. C'est-à-dire que lui il arrive, il est au milieu, parce qu'il a déjà. Il a une pierre qui est devant lui. Donc il est au milieu, grosso merdo. Milieu avant. Donc ensuite. On va avoir droit à ces quatre-là qui vont être mi-herbe, mi-terre, enfin mi-gravillon. Et peut-être avec une ou deux roches. Et ces trois-là devant, dont le capitaine, qui vont être. Alors on va plutôt faire ça différemment. Ces trois-là devant, donc ceux avec les armes de corps à corps, qui vont être en fait devant en. Donc c'est comme ça hein, qu'on optimise. Et en mettant, c'est comme ça qu'on optimise, hein, c'est en se disant dans sa tête, en se faisant un schéma, quoi. Donc là, on commence avec celui-là. Tac, on va déjà. Oula. On a déjà viré ça. Tac. Hop. Là, on va le garder parce que ça se réutilise toujours de la pâte à fixe. Ah, j'aime les trucs Army Painter qui sont bouchés. À la limite, je peux le faire avec un pinceau, hein. C'est pas. Je prends un vieux pinceau et je le fais avec, hein. Un vieux pinceau ou même une tige de bois.
très bien le faire avec une tige de bois, avec plein de choses. On va prendre un vieux pinceau. Immuelto, genre celui-là. Ayez toujours des vieux pinceaux qui vous servent plus à rien. Et qui en fait ont une deuxième vie dans la pose de peinture ou des trucs du jeu, la pose de colle ou des choses comme ça. Juste le nettoyer un peu. On va essayer de leur donner une certaine flexibilité. Attendez, j'ai ma copine qui m'appelle, je vous reprends dans 3 minutes. Et c'est reparti. C'est reparti pour ensuite remettre. Allez, fais ta pièce. Alors, pour remettre de la colle, hop, on va aller en chercher un peu au fond. Hop. On va retirer l'excédent sur les côtés. Hop. Et il est où ma boîte? Elle est là. Comme ça que t'es né, Turs. Et que je retire l'excédent, hein, toujours. Hop, le premier. Alors, faudrait que je trouve un autre moyen pour essayer de rentabiliser mes trucs. Faudrait que je trouve un autre moyen.
J'aurais pas un petit capuchon, une connerie qui traîne? Un petit capuchon, une merdouille, quelque chose. C'est là où j'ai besoin d'avoir du matos. Mais genre juste du matos pour... Ouais, du matos à la con, quoi. Matos dont j'ai besoin. Pas du gros matos, petit matos. Ah, c'est pas grave, on va faire comme ça pour l'instant. Donc on va... Ah putain, nique-toi. C'est ça que j'avais entendu. Ok. Ah super, la coltania de merde. Même si j'ai pas envie de mettre de la glu en fait là. Hola bro! Comment tu vas? Ça va, là je fais mes socles. Petite heure encore, enfin même trois quarts d'heure on dit, je dirais. Petit trois quarts d'heure pour... avant de reprendre le taf. Donc là, je termine mes squats. Oula. Termine gentiment les squats. La première unité pour ensuite partir sur le champion qui sera pas en mode Guts. J'ai déjà eu des commentaires sur Instagram. Oui, mais il est où Guts? Il arrive. Laissez-lui le temps, il est pas là au début, Guts. Ah, les fils de pute. Oh, Sancho. J'enlève l'excédent. Acheter plus de mains à cet homme. Faites des dons ou follow ou suivez la chaîne. Voilà, comme ça je pourrais réclamer du pognon à des boîtes. Donc ça c'est les trois premiers socles. On enlève l'excédent. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est coller les trois... Donc on va mettre les trois nains à côté. En fait, on va tout faire à chaque fois dans le dans un mode en chaîne. Hop. Tac. Je vais faire à chaque fois en mode... j'enchaîne tous les trucs les uns derrière les autres, donc c'est mieux.
Donc là, ça va être mi-herbe, mi-gravillon. Donc pour les gravillons, j'ai cette petite boîte. Ouais, ils vont à la mine. Il y en a un qui prend une pelle, l'autre une pioche. Qu'est-ce que prend le troisième? Solasta. Mais Solasta, je l'ai pas fait, Solasta. Si je l'avais fait, Solasta. Ah, j'ai fait Kingmaker, mais j'ai pas fait Solasta. Bah après, j'ai pas pognon infini aussi, les gars. C'est ça aussi le souci. Hein. C'est que j'ai pas pognon infini. J'adorerais hein, vous faire 50 milliards de jeux, mais le pognon n'est pas... L'argent n'est pas là. L'argent n'est pas là. Pas encore. Ah mais ça la blague c'est qu'il n'y a pas de Twitch Money en fait. C'est ça la blague bro, c'est que j'ai pas de Twitch Money. J'en aurais, je dis ok mais j'en ai pas moi de Twitch Money. Vous voulez le nombre d'abonnés de la chaîne? 6. J'ai pas de Twitch Money. Et justement, c'est ça ma chaîne, c'est que j'ai jamais réclamé de pognon et voilà, c'est je fais avec mes deniers. Hein. Bah en fait, étant donné que je suis au régime, hein, je pense que ça se voit que j'ai maigri quand même. Bah concrètement, même pas deux kebabs quoi. Alors... T'en fais une belle de courgette, toi, Céline. Donc là, je veux un côté... Ici, je veux un peu plus d'herbe, parce que ce sera lui qui va faire la jonction avec le reste de l'unité. Donc ici, il faut un peu plus d'herbe que de pierre. Tac. On enlève le surplus toujours. Hop. Et le reste, c'est de la pierre. Mais j'y compte bien. Sachant que il va être vu, le premier va être vu, Céline, par les grosses têtes de Tales of the Rift, donc il va falloir qu'on déchire quoi. Donc ça c'est le premier. Donc là ça va être moite-moite pour le deuxième.
c'est moite-moite le deuxième. Pourquoi ? Parce que bah, forcément, il commence à annoncer le passage en mode gravillon. Donc ça c'est le deuxième. Le troisième, donc comme j'ai dit, hein, le troisième c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il va avoir très peu d'herbe et énormément de sable. Vous allez voir, je vais vous montrer en fait déjà l'enchaînement des premiers socles et vous allez voir. Donc ça, c'est la backlane de l'unité. Ça, c'est les trois de la backlane de l'unité. D'accord ? Ensuite, on a le premier qui commence à avoir un peu de pierre sur son socle parce qu'il arrive, il arrive dans le territoire. Le deuxième qui en a un peu plus. Et le dernier... il y en a encore plus que les autres. Sachant que lui fait la jonction en fait avec l'avant de l'unité. Lui fait la jonction avec l'avant de l'unité. Comme quoi, faut pas beaucoup hein, pour faire des. Ils sont pas en tabletop. Il faut pas beaucoup pour faire des trucs qui rendent potentiellement bien. Hein. C'est juste raconter une histoire, c'est tout. Donc là maintenant on est sur de la full pierre. On est sur du full gravillon avec un petit peu de rocher. Maintenant, gravillon rocher. Hop, on va retirer encore une fois, comme tout à l'heure, l'excédent autour du socle. Hop, ça, on va le refermer. On en aura besoin encore une dernière fois.
pour coller les pierres. Hop, donc ça, c'est fini. Là, ça va ranger, ça va là-dedans. On passe. Maintenant, on va coller quelques pierres, quelques petites pierres. Voilà. Tac. Maintenant, le temps que ça sèche, bah, on va sortir la glu qui est rangée là-bas. Je reviens. Une valeur qui n'est pas la même dans le fichier sur la carte. Bah tu vois, comme quoi, peut-être qu'en le préparant, on va leur montrer qu'il y a peut-être encore quelques micro ch'touilles d'erreur, tu vois.
Le con, il a pas de point d'appui là. Ensuite, il me reste celui-là. Il m'en reste 3 à faire. À mettre un petit peu de pigmentation sur les socles. Et putain, il me reste 20 minutes avant de reprendre le taf. Je devrais pouvoir tout finir. Et plus qu'à... ouais, tout finir. D'abord, il va falloir recoller, je pense, les pierres. Avec de la glu, j'ai l'impression. Technique délicate du collage de pierre pour faire tenir une fille. Voilà. Tac. Ensuite, deuxième... bon, c'est ça, c'est les pierres n'ont pas tenu, donc on va directement mettre de la glu, ce sera plus simple. Et après un tout petit peu de pigment, et je peux enfin faire la photo Unstaglarm. La photo Unstaglarm. C'est pareil, hein, les pierrasses n'ont pas collé. Voilà. Pourquoi il tient pas cet abruti là? Qu'est-ce qui se passe? La seule partie qui n'avait pas fini de coller. Bon, vous savez quoi? On va faire la vieille technique du je blinde de glu. De façon à ce qu'en fait ça s'autocolle entre eux. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Il est où mon bouchon? Ensuite, il nous faut du pigment. Le pigment, on va prendre le malin. On va venir en fait poser du pigment sur les socles. Alors je vais le poser nu, en fait je vais le poser, bah, j'en ai un peu sur la palette là-bas. Je vais le poser sans le diluer, parce qu'en fait il y a deux façons de le poser le pigment Valero. Soit vous le diluez avec du médium et il va venir en fait s'accrocher de lui-même aux différentes zones et les teinter. Soit vous venez et en fait vous le déposez. Alors je vous avoue que je suis plus fan de Matek. En fait ça teinte bien Matek, donc je préfère la mienne. Qui est en fait de le diluer légèrement avec du médium. Ça va faire une sorte de grosse flaque pas belle. Hein. On va directement mettre du médium là-dedans. Donc en fait vous le diluez, voilà, ça fait une grosse flaque marron. Hein. Et vous venez le poser là où vous voulez, et en séchant, en fait, ça va venir teinter. Alors moi, par exemple, j'en veux qu'il y en ait sur les pompes. Parce que pour moi, il marche un peu dans un territoire boueux.
Il faut remettre un coup de glu, je pense. On va remettre un coup de glu directement sur les zones des cailloux. Et en fait, c'est les cailloux qui, en s'agglomérant, vont tenir mes filles. Donc où j'en étais? J'en étais dans la pose de mon pigment. Donc là, je viens juste reprendre en fait un petit peu, voilà, remettre un peu de pierre parce que l'autre colle n'a pas bien tenu les pierres. Voilà. Là. Et il me reste les deux là-bas à faire. Donc il me refaut un petit peu de pigment Valero, qui est très bien, hein, il est pas cher le pigment Valero. Tac, un petit peu de médium. On va venir refaire en fait la tambouille que j'ai fait avec mon pigment. Et on va venir en fait y placer un petit peu sur les rochers. Tac. Et enfin, bah lui, il a déjà été fait, donc celui-là a été fait. Bah voilà, nous l'avons. And we have it. La première unité de squad de mon armée, de la compagnie du Faucon Blanc. Ou de Griffiput, comme dit Sancho. Et voilà la première escouade de l'armée du Griffon Blanc. Prochaine unité, Guts, donc qui sera le champion Enhart que je vais monter. Je vais monter ça dimanche, on verra quand j'ai un peu de temps. Je monterai la figue pour qu'on puisse commencer à la peindre, pour que je puisse commencer à la peindre, puisqu'elle va être un tantinet. En fait, autant elle va être longue à peindre, autant elle peut être très rapide, parce qu'en fait, il y aura 2-3 couleurs dessus. C'est après au niveau des détails où par contre là je vais envoyer plus que sur les troupes de base. Mais donc voilà. Comme quoi c'est rapide de faire une escouade sans utiliser de contraste. De faire une escouade sans utiliser de contraste. Juste avec des vieilles techniques. De la gestion des lumières et du jeu sur les différentes lumières. Et de jeu sur les différentes lumières plutôt que de se prendre la tête. À vouloir utiliser expressément contraste et toutes ces cochonneries là.
Chose que je n'aime pas. Je n'aime pas la contraste. C'est pour ça que je dis ça, mais il y a des très bons peintres qui utilisent de la contraste. Donc voilà, bah j'espère que ça vous a plu. C'était le stream la pause peinture. C'est le stream de la pause peinture. On va se retrouver peut-être ce soir en fonction de l'heure où je rentre. Ça dépendra de l'heure où je rentre, mais en fonction de l'heure où je rentre, vous aurez sûrement un stream Tales of the Rift ce soir aux alentours de 21h. Partie contre Silverjack, partie d'entraînement. Il faudra que je teste un truc, j'ai peut-être testé une carte rapide, un perso rapidement. Donc voilà, bah, en tout cas, si ce stream de la pause peinture vous a plu, bah, n'hésitez pas à lâcher le petit follow qui va bien. La photo arrivera sur Instagram, sur Instagram, dans la journée, hein, juste le temps que je pose les figues sur les socles, enfin sur le socle, que tout sèche bien et tout. Donc ça arrivera dans la journée. Et donc la photo plus le réel, ou juste un réel, je ne sais pas, je verrai. Et donc voilà, n'hésitez pas à follow, à partager le live. Les gens qui voient ça, qui verront, qui voient ça. Achetez live, je ne vois pas live, tiens, hein. Les gens qui verront ça sur YouTube, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre en live et à lâcher le petit follow sur YouTube. Sur YouTube. Et manger des fruits. Voilà, manger des fruits. ouais, je vais vous envoyer chez Maf. Voilà, il n'y a que lui qui stream là. Et voilà, des bisous. GLOW!